bienvenue à bord de cette nouvelle vidéo, ici le commandant Delphine qui vous reçoit. Mais ça fait pas pirate Delphine, c'est cool, vous me trouvez un prénom. J'espère que vous allez tous bien, et puis bah voilà, c'est tout. Ça y est, j'ai fini la vidéo, bye. La plupart des pirates ont un perroquet sur l'épaule, et bien moi j'ai un petit chat noir. En mode pirate parce que c'était Halloween il n'y a pas longtemps et avec des amis on a organisé une super soirée ici où on s'est vraiment bien éclaté et du coup bah, je voulais vous recevoir comme ça en mode pirate d'ailleurs bah, ma mère regarde pas les vidéos mais je remercie ma maman parce que c'est elle qui m'a fait mon déguisement. Voilà, elle m'a fait la veste, le foulard et la ceinture. On n'a pas eu le temps de faire tous les autres accessoires parce que j'aurais bien voulu m'acheter une boussole, donc que ma mère me fasse une bourse, acheter le chapeau, mais je me suis prêt à la dernière minute. Donc déjà la dernière minute, je trouve que ma mère c'est super bien durable. Donc là je suis soft. Je suis un pirate sans chichi. Bon voilà, ouais. Allez, passons à autre chose. On n'est pas là pour parler. Oh mon secours. On n'est pas là pour parler de ça. Voilà. Donc aujourd'hui je vais vous montrer mes créations du mois d'octobre et vous allez voir que j'ai vraiment, mais vraiment pas vraiment occupé pour justement ma soirée d'Halloween qui m'a demandé énormément de temps et puis plein de choses aussi qui se sont entraînées dans ce mois-ci donc du coup j'ai quasiment rien fait, rien à vous montrer. Donc logiquement, si j'arrive de parler pour rien dire, cette vidéo là devrait être rapide. Ouais! Pour une fois, bien! Et puis là en plus vous allez voir que j'ai pas fait grand chose et en plus de ça c'est vraiment très très médiocre. Que j'ai fait c'est vraiment pas beau. Hein. Il y a plein de défauts, c'est disproportionné, c'est. Il y a 2-3 petits trucs encore, ça peut aller, mais la plupart. Alors je dis pas ça pour avoir de beaux commentaires, parce qu'à chaque fois. C'est vrai, chez moi je me plains, j'aime pas ce que je fais, mais là c'est vraiment vrai. Et à chaque fois, il faudrait que vous me laissiez toujours des super beaux commentaires. Ça fait tellement chaud au cœur, merci infiniment. Mais je fais pas ça dans cet intérêt-là. C'est juste que ce que je ressens, ce que j'ai fait, c'est pas beau. Voilà. Mais c'est pas pour recevoir de très beaux commentaires, même si ça fait très chaud au cœur. Hein. C'est pas dans cet intérêt là. Voilà. Comme vous avez pu le voir, en ce moment je me suis amenée à fond dans le bullet journal. Donc une fois par mois, maintenant c'est décidé, c'est comme ça, je vois si ça vous intéresse. Mais vous n'avez pas le choix. Si ça vous plaît pas, bah, vous regardez pas. Et puis c'est tout. Et bah, il y aura une vidéo sur le bullet journal vers la fin du mois. Je sais pas quand. Je sais pas quel jour exactement, mais vers la fin du mois, il y aura une vidéo sur le bullet journal. Voilà. Et la prochaine qui suit, je crois qu'elle va être encore un petit peu longue parce que j'ai encore plein de choses à vous dire à ce sujet là. Mais les prochaines sont beaucoup plus courtes, je vous le promets. J'espère. Donc on arrête de blablater et on commence tout de suite. C'est pour commencer, j'ai fait une petite collection de bijoux sur Noël. Bah oui, on arrive, hein. Enfin on n'y arrive pas, mais on est début novembre, il y a Noël qui approche à grands pas. Donc je me suis dit, c'est le moment ou jamais de commencer à faire des créations sur ce thème-là. Voilà. Et donc pour commencer, j'ai réalisé le petit biscuit dans Shrek. C'est vrai que Shrek et Noël, c'est pas trop de délire, mais bon, voilà, les petits biscuits, c'est Shrek. Enfin, c'est Noël. Bon, bref, voilà, vous avez compris. Et pour aller avec, et ben, il y a exactement la même chose. Enfin, presque, oui. Enfin, bref, voilà. En mode broche. Voilà, je me suis amusée, vous allez voir, après ce mois-ci, j'ai fait beaucoup de broches pour changer de tous les colliers que je fais d'habitude. Et contrairement aux autres personnes, et ben, moi, je vous montre aussi mes créations ratées. Je vous montre pas que les créations, mais qui sont très toutes jolies. Enfin non, chez moi ça n'existe pas ça. Bon, bon, moi je vous montre tout, j'ai rien à vous cacher. Voilà, je dis ça, je dis ça, je dis rien, pardon. Un peu dans le même thème, c'est un petit biscuit, mais c'est aussi en forme d'étoile. C'est l'étoile de Noël. Voilà, comme ça. Ensuite, j'ai encore une autre petite broche avec le chauchon. C'est le chauchon de Noël. Avec les petites sucettes des lollipops. Voilà. Ensuite, j'ai fait Maman Noël, mais peut-être un petit peu trop sexy. Elle est en mini-robe et tout, bon, c'était pas voulu à l'origine, mais bon, c'est fait, hein, voilà.
Et pour terminer sur ce thème-là, et ben, j'ai mon petit lutin qui est assis sur un petit cadeau de Noël. Voilà. Et pour rappel, c'est le troisième lutin que je réalise durant toute ma vie. J'ai commencé la fibre en novembre 2013, là ça y est, ça va faire 5 ans à la fin du mois, déjà. Et en 5 ans, bah, c'est le troisième lutin que je fais. Et là, cette fois-ci, il est encore plus petit que d'habitude. Bref, on s'en fout. Voilà. Ensuite, je sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai un amour fou pour les plantes, la nature, et du coup je me suis amusée à reproduire mes plantes à moi en fimo. J'ai trouvé ça rigolo pour changer d'habitude. Voilà, donc j'ai fait des petites plantes. Alors j'ai réalisé ce petit collier là, avec des plantes que j'ai chez moi. Voilà, je trouvais ça rigolo, ça changeait d'habitude. Réaliser ces deux petites broches cactus. Alors j'ai pas encore de cactus, mais je compte bien en avoir. Enfin bref, voilà, ces deux petits cactus, encore une fois, c'est des broches. Et si on reste sur les broches, et ben j'en ai réalisé deux. C'est bien d'avoir des trucs gros, mais parfois c'est bien d'avoir des trucs tout petits aussi. Bah oui. Donc j'ai réalisé un tout petit renard couleur nacrée, blanc nacré. Et la tête de Mickey est complètement déformée. Elle est horrible la tête de Mickey, il faudrait que j'arrive à la refaire. Parce que là j'aime pas du tout son museau. Donc voilà. Et si on reste sur le thème de Disney, eh bien j'ai aussi réalisé Dumbo. Le petit éléphant avec ses grandes oreilles, je le trouve trop mignon. Lui ça va, celui-là il me plaît à peu près bien, ça va. Je me suis pas trop mal démerdée encore. Et toujours sur le thème de Disney, là c'était vraiment, bah ouais, je peux dire que je suis fan, entre guillemets, pas 100%, mais je l'aime beaucoup. Sauf que celui-ci, que j'ai réalisé, et ben, j'ai complètement foiré. Voilà. Et il s'agit de Peter Pan, avec son ombre à l'arrière. Et Peter Pan, il est assis sur une branche. Normalement, il vole, hein. Mais bon, là, ça fait bien s'il est assis sur une branche. Voilà. Et je le trouve vraiment pas beau du tout. Mais après, j'ai une excuse, hein, c'est qu'il est vraiment minuscule. Donc, voilà. Mais elles sont plus que ratées. Il y en a trois. Sur les trois, j'en ai monté qu'une seule qui passait à peu près, mais les deux autres, faut vraiment que je les refasse parce qu'elles sont horribles de chez horrible. Donc la première qui passe à peu près, c'est Madame Mary Poppins que j'ai monté en porte-clés comme ça. Alors je préfère dire son prénom parce que je suis pas sûre que vous l'aurez reconnu sinon. Donc voilà. Et les deux autres que j'ai complètement foiré, c'est Agnès dans le film Moi Moche et Méchant et Mario. Non, je vais dire les animés, mais non, c'est un jeu vidéo.
Ouais, et Mario, bah, il a perdu du poids, mais il a grossi du nez. Ah non, mais il est horrible, mais horrible, il est complètement disproportionné, c'est affreux. Faut vraiment que je refasse ces deux-là. Voilà. J'ai complètement oublié de vous montrer aussi un collier que j'ai réalisé il y a une éternité mais que je voulais pas vous montrer avant que Halloween soit passé. Et bien c'est ce petit collier que j'ai réalisé pour aller avec mon déguisement de pirate. Maintenant malheureusement je crois qu'il me sert plus à grand chose, donc je pense que je serais peut-être prête à l'offrir pendant un concours ou quelque chose comme ça. Donc si ça intéresse du monde, n'hésitez pas à me le faire savoir si vous voulez que j'organise un concours pour juste gagner ce petit collier là, parce que moi maintenant bah, je l'utiliserai plus. Donc au lieu qu'il reste au fond d'un tiroir, si ça peut intéresser quelqu'un, eh bien, c'est tant mieux. Voilà. Et on va terminer avec mes deux créations qui m'ont demandé énormément de temps. C'est pas une réussite non plus. On va juste dire que c'est une caricature. Vu que c'est pas ressemblant à 100%, je pense qu'on arrive quand même à les reconnaître. Donc du coup, vu que c'est pas ressemblant mais qu'on les reconnaît quand même, et bah ça donne une caricature. Voilà. Donc du coup, il s'agit de Dobby, l'elfe de... Enfin, c'est pas l'elfe de Harry Potter. Mais bref, vous avez compris. Hein. Voilà, c'est là. L'elfe qu'il y a dans la saga de Harry Potter. Ça sera plus simple que ça. Donc voilà, je pense qu'on le reconnaît quand même, hein, mais c'est pas ressemblant à 100%. Donc c'est une caricature. Voilà. Voilà, 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 voilà. Oh, c'est chiant avec lui. Je suis carrément chiant avec lui, voilà. Et la dernière création qui m'a donné pas mal de fil à retordre. Oh putain, oui, je te jure comment j'ai bien galéré à celle-là. Truc de dingue. C'est pareil, tu le reconnais, enfin je pense, j'espère, mais c'est pas ressemblant. C'est pas le trait au trait pour trait. J'arrive pas à faire des longs sauts pour mon hein. Donc voilà. Et il s'agit de ça, le méchant clown. Oui, je l'aime bien quand même, hein, mais c'est pas ça. C'est pas encore, mais c'est pas ça. Un petit jeu de mots. C'est même pas voulu. Bref, voilà. Ça. C'était court cette fois-ci, hein, je vous ai dit, j'ai pas fait grand chose. Vraiment pas grand chose. Et en plus de ça, bah, c'est pas du top niveau. Hein. Bien au contraire. Donc voilà, j'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu. C'était rapide cette fois-ci. C'est truc de dingue. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des idées de tuto, n'hésitez pas à me faire savoir, ça sera avec le plus grand plaisir. Sauf que ce mois-ci, je vous ai même pas fait de tuto du tout là. J'étais tellement occupée à autre chose, bah déjà à faire ma soirée et puis j'avais plein d'autres choses de prévues ce mois-ci, c'est un truc de dingue. Donc du coup j'ai pas eu le temps de faire grand chose. Bon, c'est pas plus mal, ça fait une vidéo course comme ça. Voilà. Donc bah je sais plus où j'en étais. J'espère que ça vous aura plu. Si vous avez des idées de tuto, n'hésitez pas à me faire savoir. Voilà, ça j'en étais là. Bien. Et toi de quitter le navire. Et de faire nos adieux. Non, juste un petit au revoir. On se revoit très très bientôt, je vous le promets. Il y a une vidéo toutes les semaines, donc forcément ce sera très bientôt. Hein. Voilà, bah, du coup c'est tout, ça y est. Je vous fais tout plein de gros poutons. Et je vous retrouve très 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 vite dans une prochaine vidéo. Bye bye. Je vous fais tout plein de gros poutons. C'est bien pour un pirate, ça tient. Mais des poutons, des poutons.